Coucou tout le monde, on se retrouve ce matin pour une vidéo présentation d'étiquettes cadeaux de Noël. Donc je vous fais pas de tuto parce que je suis encore malade ce matin. Enfin ça fait plusieurs jours mais ce matin c'est encore pas la frite. Donc du coup à la demande de quelques abonnés je vais quand même vous les présenter. Et je vous dirai au fur et à mesure comment j'ai fait si vous voulez. Mais je ferai pas de tuto proprement dit parce que je n'en ai pas la force et ni le courage. Donc du coup, je vous présente les premiers. Donc j'ai fait des étiquettes comme ceci. Donc en fait, c'est tout simple. C'est juste, vous savez, avec le rouleau toile de jute de chez Action. Avec les lettres de chez Action. Et j'ai juste mis une fleur et un petit ruban pour faire la languette. Du coup, j'ai coupé sur les côtés. J'ai effiloché un petit peu pour que ça fasse un peu plus joli. Et j'ai collé à la colle chaude. Donc voilà, celui-là, c'est pour ma fille. Donc voilà pour le premier. J'ai fait la même chose pour les grands-parents. Juste, j'ai changé les couleurs du ruban et les fleurs. Je n'ai pas mis les mêmes. Donc voici. J'ai fait également celui-ci. Donc pour un garçon. Et là j'ai mis la petite liane en ficelle. Oups là. Donc comme ceci. Le petit bout de bois, le petit bout de nœud, tout vient de chez Action. Donc voilà. Le nœud, non, excusez-moi. Le nœud, c'est moi qui l'ai fait à partir d'un ruban de chez Action. Il y a également celui-ci. Donc forcément, il est plus grand. La taille s'adapte au prénom, hein, forcément. Là, j'ai juste changé. Oh là là, j'ai du mal. J'ai juste changé la petite déco du haut. Donc, j'ai fait un nœud, j'ai fait rabattre sur les côtés, comme ça. Et la petite ficelle, toujours de chez Action. Donc, voilà. Donc, avec l'étoile de jute, j'ai fait que ceci. Donc, je ne sais pas si j'en referai d'autres. Tout ça dépendra de mon état, en fait. Donc, j'ai fait également une comme ça, toute simple. Donc en fait, j'ai repris un die cut des albums de Noël de chez Action. J'ai mis les lettres en fonction de la personne concernée. La petite déco Action du Père Noël et un petit sapin. Le petit ruban rouge et l'affaire est jouée. Donc voilà. Donc derrière, il n'y a rien. C'est juste comme ça. Donc voilà. J'ai fait également ceci avec un tag. Donc le ruban toujours, les petits boutons, j'ai essayé de prendre ceux sur le décor de Noël, et le petit die cut aussi qui vient de chez Action, donc collé à la colle chaude et collé normalement, et juste fait à main levée avec des feutres, le petit ruban qui tient les boules en fin de compte. Donc voilà, donc celui-là il n'est pas nominatif parce que je ne sais pas encore à qui je vais le mettre, donc on verra au fur et à mesure des cadeaux. J'ai fait également celui-ci. Donc c'est pareil, c'est avec des dies de chez Action qui sont sortis cette année. J'ai juste fait moi à main levée le petit bonhomme en pain d'épices. Parce que je n'avais pas de dies ni rien, donc j'ai juste dessiné à main levée. J'ai rajouté des petites perles qu'on trouve aussi chez Action sur une planche. Donc voilà, et rajouté ici un petit washi parce qu'il est fait en deux parties. À la base il est tout rouge. Et j'ai juste recollé une partie verte pardon, en recollant sur la partie rouge en bas. Et j'ai collé un petit morceau de washi sur le côté et la petite déco flocon de neige et le petit ruban. Donc voilà pour celui-ci. Donc celui-là, je n'ai rien inventé. J'ai juste repris la déco de chez Action qui avait en plusieurs coloris cette année et j'ai mis pareil le nom de la personne concernée et le petit ruban. Donc derrière, ça fait comme ça. Donc voilà. Et ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc, c'est un petit rappel sur le Père Noël. Donc, pareil, un dies de chez Action qui se présente comme ceci, qui est sorti cette année. Donc voilà. J'ai recoupé deux fois pour avoir le haut de la même forme que j'ai recollé en faisant une forme un peu de barbe ou je ne sais trop quoi. La ceinture que j'ai coupée moi-même et les petites perles de chez Action que j'ai collées par-dessus.
J'ai également fait dans le même thème, sur le thème du petit lutin. Donc voilà, le même principe, le même procédé. Toujours avec le même dies. Donc ils ne sont pas encore nominatifs non plus. Hein. Je verrai, comme je vous ai dit tout à l'heure, au fur et à mesure. Et j'ai fait aussi celui-ci. Donc un peu plus élaboré, on va dire. Mais bon, c'était un essai, il y a quelques petites imperfections de collage. Donc voilà, celui-ci sur le thème du Pépé Noël aussi. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt et en forme, je l'espère. Gros bisous!